Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la promotion de l'épisode de Mad Max. Ou de Mad Marcus, c'est comme vous voulez. Donc, dans cet épisode, chers amis, nous allons faire la petite course pour avoir obtenir la possibilité d'obtenir peut-être le V8 directement. Hein. Ça fait plusieurs missions qu'on fait à côté pour obtenir là le droit de participer à la course. Le droit de... Enfin, la possibilité d'avoir une guerrière qui sniffe pas trop. La course de Petrovic, bien équipé, on va y participer. Ah. Alors, est-ce qu'en allant... Par exemple, chez Godgash, je peux faire le point. Je crois que je suis pas allé chez Godgash, là. Je crois que je suis allé un point au pif. J'ai un doute. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, en allant, est-ce qu'en allant chez Godgash, je peux avoir une recharge? Parce que je sais que la recharge, je l'ai faite il y a pas longtemps en lançant l'épisode. Voilà, parfait. Donc là, on est full. On y retourne, on fait un autre chargement. C'est l'épisode des chargements, chers amis. Je suis désolé. Ok, bon. Hop, on monte là. Un magnum opus. Alors attendez, on va vérifier qu'on a bien quand même un maximum de... Ici, on a le harpon maximal. Là, je peux acheter ça. Ça me servira à rien, enfin bon. Dans le ventre du vautour, pourquoi pas. Là, j'ai pas ce qu'il faut, mais ça va le faire quand même. Les brûleurs. Ah, je peux en prendre. Allume gaz. D'accord. Ok. Mais ils apparaissent pas, les brûleurs? D'accord. Brûlez-les tous! C'était la dernière, les dernières paroles de, du roi fou de Game of Thrones. Ça, ça va me servir à rien. La carrosserie, la couleur de la carrosserie, c'est bon. Autocollant, c'est bon. Les trucs anti-abordage, je risque d'en avoir besoin. Je vais les mettre. Les jantes. Je vais en avoir besoin aussi, je pense. Je vais les mettre aussi. La nitro, je garde la nitro max. Ici. Je peux avoir ça, donc je les mets. Là. L'adhérence globale de 15%, ça peut être cool ça. Hop, parfait. Donc la maniabilité est bonne. Là, il faut encore que je baisse le truc, donc c'est pas le cas pour tout de suite. Là, je dois être au maximum. J'y mets le paquet cette fois-ci, chers amis. Je vais mettre ceux-là, ça va être un peu mieux au niveau de la défense. Hop. Et à l'avant, je pense mettre ceci. Donc on a une très lente accélération, on a le boost au départ, donc ça va être très très bien. On a une maniabilité qui est pas mauvaise, qui est pas négative en tout cas. Donc de ce côté-là, on va plutôt être bon. Je pense qu'on devrait y aller. On est bon pour y aller. Je suis prêt pour la course, excellent. Ce soir, tu courras. Cool. Voilà. Ça va chier les bulles. Et là, c'était Luciole. Wouh! Ouh, je le veux celui-là. C'est le mien! C'est le mien! C'est mon moteur! Ah, je m'en doutais. Ah, elle est donnée avec. Ah non, elle a pas l'air d'être donnée, parce qu'elle a plutôt l'air d'être là pour le... Ouh,
ouais, elle est bien armée en plus. Si tu lui mets quelque chose, c'est elle qui te la coupe en fait. Ouh! 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 Mais c'est cool ça! Ouais, donc si je veux sortir la fille de là et mon moteur de là, surtout le moteur en fait qui m'intéresse. Alors c'est marrant, j'avais pas l'impression qu'il avait les yeux bleus au départ, Max. Ça me pète à la gueule maintenant à chaque fois que je le vois. C'est parti. Oui, oui, je vais tuer Scorbut. Oh! Qu'est-ce que... Pas dans ma voiture! L'homme Luciole! Ça me va tellement bien ce nom! Ah mais si, c'était bien derrière ma voiture. Donc la course est truquée. Je vais tous leur péter la gueule. Ok, ça va me suffire. Ok. Ok, j'aurais peut-être dû passer par là-haut. Putain, c'est dur. Ah, il s'est couvert. Touché. Hop, touché encore. Et je l'ai abattu. Hey man. Bah ça va, c'était pas si compliqué. Hop, j'ai la fille. J'ai le moteur. Plus personne n'aura le scorbut. Allez voir sur Google ce que c'est, vous comprendrez. Ouh. Oh putain, j'ai noir me battre contre elle. Mais c'est pas un homme. Quoi? Mais c'est même pas au programme ça. Ouais, voyez le traître. Elle est agile. Hop les. Allez, viens. Oh. Bien joué. Allez, viens. Raté. Raté.
Boum! Ah, j'ai pas réussi à faire la parade parfaite. Viens! Viens! Putain, j'ai pas réussi non plus. Allez, viens! Allez! Putain, j'ai pas encore réussi non plus. Dégage. Raté! Viens, je te dis! Oui, oui, oui. J'avais dit pouce, je me grattais l'œil! Non! Ça tombe bien, t'es collé au mur, je peux pas. Ah, y'a pas d'action contextuelle au mur! C'est dommage! Vous voyez qu'il m'affiche mes couteaux en bas à droite? Raté! Allez, viens! Viens, 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 viens! Boum! Boum! Je voulais pas faire ça, mais c'était une sorcière! Bon! Oh putain! Il vient me féliciter en personne! Parfait! Oh la gueule! Parfait! On va voir s'il a vraiment survécu! Et dans quel... Oula! J'ai vu un truc pointu et drôlement turgescent! Ah putain, il a survécu, le sac! Ah, je crois que quand il va me voir, il va pas être content. Ah oui, effectivement, oui, il a encore la tronçonneuse dans la tête. Non? Ah non, c'est un crâne. Comment c'est possible? Oh merde. Ah si, 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 il a encore la lame de la tronçonneuse dans la tête. Et tu te défends, Max, ou pas, là? Ah! Max s'est volé, il a plus besoin de voiture. Me dites pas que c'est la fin du jeu! Je crois que tu savais que sa lame, tu m'étonnes. Oui, bah tu m'étonnes. Bon, il y a quelqu'un qui m'a donné une arme, merci. Raté! Raté! Ok. Raté! Viens par là. Boum! C'est dommage, hein? Allez, viens, 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 viens. Viens, c'est bientôt la fin de ta vie. Raté. Tu permets? Je combats ton boss. Aïe. Je combats ton boss, je t'ai dit. Raté. Prends dans ta... Raté! Bouf! 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 Raté! Putain. Bouf! 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 Bye! Allez, ramène ton cul, l'ami, ramène ton cul. Boum! What?
Oh! Donc ce n'est pas le boss de fin. Bonjour! Alors attends, tu connais? Est-ce que t'as déjà vu ici? Enfin, est-ce que. Oh là! 300, est-ce que tu l'avais déjà vu ce film? Bon, il est mort avant, dommage, je voulais voir s'ils avaient vu le film, mais apparemment pas. Y a rien à choper, c'est cool, on se bat! Hop là! Venez les mecs! Allez, cours! Enfin, recule, recule, recule! Raté! 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 Dégage! Sac à caca! Raté! Crac! Dégage! Hop! Parfait! Je vois de la ferraille! Furieuse fureur! Je vois des munitions, j'en gagne, je gagne des couteaux, mais j'ai plus mon flingue, d'accord. Pas besoin de bouffe. Ok, pourquoi pas, continuons. Fuyons, chers amis, fuyons. What? Nous revoilà face à face. Raté! Tiens, bouffe. You took my car. Your car. No. My Raté. My Aïe, je savais, je m'en doutais que j'allais me bouffer dans le dos. Tiens, recule, recule, recule. Putain. Tiens, bouffe, bouffe, bouffe. Raté. Raté. Recule. Recule. Raté. Tiens, bouffe. Dans ta gueule, gros con. Bon, fallait pas que je dise gros con, mais bon. Aïe. Eh hey, mais il a pas pété dans sa bagnole celui-là. Bla. Oh, l'image de la... Encore? Oh merde. L'image de la bonne annonce. Ouh. On a pris plein la gueule quand même. Abdominus, le mécano des organes. Le mécano des organes. Ma voiture, mon chum bucket. Non. T'as de beaux yeux. Des yeux, oui, des beaux yeux. What? There's someone you should meet. Who? It's someone from before. The name you dog. Il porte le comment le chapeau du chapelier fou dans l'Alice au pays des merveilles. Oula, une vision venue du passé.
Je comprends mieux. Ah, c'est dommage, quand on voit le réalisme de chaque autre visage, celui-ci est vraiment surréaliste. Je trouve. Et c'est triste pour une cinématique de ce niveau. C'est la concubine, j'avais pas reconnu que c'était elle. What? I do. What? What? Ah oui, alors à mon avis, il a sniffé du gaz aussi, enfin du pétrole. Pas enfin, du carburant quoi. What? Sleep well, leech. I am Scab. War boy I was. No. Bloodbag. Was made for greatness. Born to die in battle. Yeah, but you did it! You failed him! You failed Scrotus! And now your blood nourishes the weak. My blood! May it burn through your veins. Ouh, c'est sympa. And scorch your soul. Pay us my payment. Yeah. Go on, get out. Get out now. Where is she? The woman. A concubine. Out there, in the underbelly. You owe her a life. Don't know why she cares for a shit sack like you. Keep walking, Bloodleech. Bloodleech outside. Carrément intéressant. Ennemi immortel, j'ai gagné la course, mais Scrotus m'a volé ma récompense. Il me faut un nouveau plan pour m'emparer du Big Chief, et je n'ai d'autre choix que de faire confiance à Hope, la concubine. Je suis paumé là-dedans, moi. Ouais, c'est bien ça. Bon, bah on y va. Ma pétoche, on va la chercher, on mettra fin à l'épisode ensuite. À vrai dire, je sais pas du tout quelle durée ils font ces deux derniers épisodes, enfin cet épisode et le précédent. Jim ! Oh putain, je t'ai pas reconnu de loin ! Merde ! Ils disent qu'elle est aussi bien. Putain, je vais aller la chercher. Ah non, c'est bon. Ok les amis, bon bah écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce bleu, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérou, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le lien du descriptif de l'épisode vers mon partenaire gamesplay.com qui m'a gracieusement offert le jeu. J'y arriverai un jour à le faire correctement. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!